Bonsoir à toutes et à tous. Voilà comment créer en une minute ou presque un compte sur la plateforme Africa Génie Invest. On y va. Vous tapez Africa Génie Invest. Ensuite, vous cliquez sur s'inscrire. Ici, je mets. Voilà. Ndeya La conscience politique Penda. s'est faite dans une forme de relation très heurtée avec la France. Il ne faut jamais oublier ça. Les Non, deux dernières décennies je ont été les mets décennies du discours Kama. colonial, ont été la décennie de toutes les tentatives de réécriture de l'histoire coloniale par la France. Je pense que Téléphone. les politiques migratoires, les Je politiques de réfugiés, vois le les deux téléphone. interventions militaires françaises très impopulaires, l'intervention militaire du 77 Togo, l'intervention 186 militaire 73 en Libye, 10. donc tout ça, les deux dernières décennies, ont forgé une forme de génération qui arrive en ayant des comptes à régler, en ayant un questionnement profondément politique légitime envers la France. Et je pense que la Russie arrive dans ce moment Soixante-dix-sept, même si c'était la chute du roi, il serait audible. 186, Mais moi, il y a un piège dans lequel soixante-treize, je 10. tombe. On On met voit bien sûr clairement, l'indicatif. C'est un au projet niveau du monde international. africain, en tout cas beaucoup de leaders de Mais l'Union qui vont vers il. les Russes, ils vont au nom de l'anti-impérialisme. Je Or, on vérifie. voit Mais clairement que il. l'ère des Russes en cours est une Kama dynamique vers anti-impérialiste. OK. C'est-à-dire que quand vous prenez les pays de Le mail, l'ex-URSS, c'est. le discours de puissance qu'ils reprochent à la Russie, c'est le même type de discours que les Américains Kama. avec la France. C'est intéressant ce que dit Ousmane. Pour asseoir son influence, la Russie n'hésite pas à déployer des discours différents selon le public visé. Ousmane évoquait celui sur Voilà, l'expérience colonialiste de la le France qui mail. nous a fait du Mot mal, de qui a passe, fait j'avais converger déjà les choisi un mot de générations. passe qui Xénophobe, doit anti-migrants, comporter xénophobe, au minimum 8 caractères, discrimination de la France, avec de xénophobe, préférence des critique de chiffres discours de la et des Russie. lettres. Alors, Je l'ai étant déjà donné que fait, la par Russie exemple, vous a été écrivez présente en agi, Afrique au moment de la décolonisation. arrobase 1, 2, 3, Elle a 4. accompagné la décolonisation Voilà, de d'Algérie sorte et que ensuite elle vous s'est aurez installée au dans une minimum recherche de cet indépendant 8 caractères. parmi Après les avoir fait pays ça, il africains faut de cliquer décolonisation surtout malien, qui sur ont été J'accepte les rapidement conditions. déçus sur terre et du matériel, Après, c'est-à-dire vous qu'ils ont cliquez sur formé une Créer compte. génération d'officiers algériens, mais aussi libyens, égyptiens, Bon, le début somaliens, taken. somaliens, Bon, on nous éthiopiens, dit que ce malins de compte. l'Union soviétique, mais The aussi mail les has pays been arabes, already taken. Ça veut l'Afrique, dire qu'elle a l'Inde, déjà le ouvert un compte en principe. l'Angola, la Guinée et la Guinée. Voilà, nous Donc il y allons avait déjà vérifier une présence cela. à l'époque soviétique au nom, comme le disait Ousmane, de l'anti-impérialisme montant. Aussi former l'université Voilà, Ashura nous Bar, allons aller au comptant niveau moins de 50 000 cadres au niveau africains, du back comme office des pour familles, vérifier médecins, son nom. ingénieurs, géomètres. Et Voilà, au je bout suis au d'un niveau du temps, back la office. Russie a succédé à l'Union soviétique, Je vais l'université du cliquer Pakistan sur Invest l'université suivi de l'amitié et des utilisateur. peuples, où on accueille Vérifier des avec étudiants d'Afrique, utilisateur. mais aussi d'Asie ou d'Amérique latine. Bon, Donc elle il y a un s'appelle véritable Ndeye. soft power qui est en train de gagner du terrain sur ces 10 dernières années, le Soudan Penda. par exemple. Mais en allant vers l'Afrique francophone par la République Comment? centrafricaine, par Bon, on le va Mali, voir, hein. ou le Mali, peut-être Justement. demain l'Angola Bon, et le on ne le Mozambique, voit qui sont pas des du bassins tout, les africains Penda, présents comment du on ne le Mali. voit Alors, pas. justement, le Mali, vous y étiez Bon, on encore, va reprendre avec le mail l'Union parce qu'on européenne, nous qui dit que s'est le mail rapidement a été installée dans déjà Afrique. Alors, pris. en conclusion de la C'est. session, si je puis dire, dites-nous comment s'opère cette influence russe au Mali sur le terrain à la fois militaire, c'est ça, mais aussi sur le terrain médiatique, sur les réseaux sociaux, avec On va toute une vérifier bataille de encore. Le l'information. mail, c'est. Le schéma Kama utilisé est Berupenda. appréhendable en Centrafrique. Bon, je vais Depuis copier Mali, ça et le la coller Centrafrique, directement à pour partir de la fin de vérifier. 2018, a servi un peu de laboratoire. C'est-à-dire que d'abord, les Russes, à Voilà, travers le parce groupe qu'en Wagner, fait, qui installe elle une créait base, un compte et prépare que. les opinions pour Voilà. relayer un discours Comme je vous l'ai déjà commun dit, de en la Russie réalité, au sein de Ndeye l'Union Penda européenne, Kama souvent anti-français en lien avait son un sentiment compte depuis très longtemps. justement N'est-ce contre la pas? Elle Russie, l'avait en créé créant depuis des très discours sur les longtemps, réseaux mais certainement sociaux, elle a à dû travers les oublier. médias, à Elle avait l'université, créé avec le qui a numéro fait face à des attaques de77 605 désinformation en 41 27. Mali, Mais et on voit ensuite bel et bien des articles qui que arrivent ce prenant mail a l'opinion déjà un compte. d'opinion C'est sur pourquoi la l'Angola, la création ne Guinée, passe pas. et en parallèle, il y a aussi Voilà, si vous l'aspect créez et que ça ne diplomatique, passe pas, essayez de souvent voir. Elle l'a la Russie créé continue quand même à avoir depuis des très relations longtemps. On préalables était encore avec à l'ambassade, 1521. les accords de détente,
membres, alors qu'aujourd'hui nous sommes à 3300. Donc, il y a presque bientôt 6 mois ou une année. Merci beaucoup à toutes et à tous. C'est comme ça que l'on crée un compte sur Africa Genie Invest. Voilà, et ça vous permet quand même après de pouvoir publier gratuitement vos ouvrages. N'est-ce pas, pouvoir devenir un actionnaire dans le génie africain, mais également pouvoir s'abonner à la lecture. Voilà les différents programmes, les grands projets d'AGI, la lecture centrée sur l'Afrique à venir, le GRID ou Grand Retour Intelligent à la Terre, le Made in Africa Consortium 540 qui est exclusivement dédié au financement des startups, et ici le Smart Business Akator, qui est un projet de liseuse. De mon côté, je vais garder les pieds sur terre. Ici. Je vais s'appliquer sur l'écriture en mettant de l'amour dans ce que je fais et faire que ma mère. Voilà, là c'est notre Smart City. Ici c'est l'Afrique Nord. Ici c'est notre fonds sécuritaire Crypto Genie Invest pour investir dans la crypto-monnaie. Nous avons un groupe Telegram ici, ici Twitter, un compte Twitter. Comment acheter des Africa Nord? Voilà. Le numéro pour acheter. Voilà, ici, il s'agit d'un sondage sur le téléphone qui a permis de lancer la société Africa Genie Invest, qui a été évaluée à 62,18 milliards d'euros. C'est plutôt millions d'euros, c'est ça, millions d'euros normalement. Excusez, un milliard d'euros, hein, c'est milliards d'euros. Avec le sondage, on le voit ici. Ici, 1 million d'euros avec 26%, 50 millions d'euros. Mais vous voyez ici, par exemple, 500 milliards d'euros, donc 12%. C'est ce chiffre-là qui a influencé les valeurs. Donc, 12% des intervenants à l'époque ont estimé que ce téléphone portable ou sa photo numérisée pourrait être vendu à 500 milliards d'euros. Il y a énormément de choses derrière, bien sûr. Le fait que dans ce 21e siècle, le fait qu'il y ait des réseaux sociaux qui, au lieu d'aider la société, le politique, l'économie, la finance, la culture, sont aujourd'hui en train de dégrader, d'entraîner une dérive extraordinaire. Ils sont en train d'enflammer des conflits armés un peu partout, des conflits sociaux. Et c'est dans cet environnement qu'un simple téléphone qui avait coûté 45 000, très modeste, a pu lancer la plateforme Africa Genie Invest, qui, d'un point de vue de la vision, est phénoménale, extraordinaire. Ensuite, il réunit aujourd'hui plus de 500 investisseurs, près de 3300 membres qui sont engagés dans le génie africain, dans le soutien du génie africain. Le fait que l'on puisse utiliser un simple téléphone pour lancer aujourd'hui, à partir de sa chambre, à coucher un projet qui fédère aujourd'hui près de 30 pays, 3500 investisseurs, près de 3300 membres ou utilisateurs de la plateforme et près de 600 investisseurs, une vingtaine d'experts, dont une dizaine d'universitaires et une dizaine d'ingénieurs, plusieurs dizaines d'enseignants, d'élèves, de doctorants, etc. Du fait que ce téléphone a permis de lancer un projet aussi important, mais également du fait que l'exposer et raconter toute l'historique et l'histoire de ce téléphone à des enfants, à des élèves, à des étudiants des instituts qui sont spécialisés dans l'entrepreneuriat, peut être extrêmement instructif et important. La communauté, en tout cas 108 personnes de la communauté, avaient jugé que ce téléphone pourrait être vendu, sa photo numérisée bien sûr, sous forme de NFT, à 62,18 milliards d'euros. Et récemment, je peux vous le montrer, récemment on a le sondage continue et nous sommes présentement
Voilà, nous sommes présentement à 144 votes. Nous en profitons pour demander aux gens de voter, hein. Aller dans le groupe et voter. Avec 144 votes, et parmi les 144 votes, 28% pensent que la photo numérisée de ce téléphone pourrait être vendue à 1 million d'euros. 12% pensent que elle peut être vendue à 10 millions d'euros. 14% pensent qu'il peut être vendu à 50 millions d'euros. 10% pensent qu'elle peut être vendue à 100 millions d'euros. 2% à 500 millions d'euros. 5% à 1 milliard d'euros. 5% encore à 10 milliards d'euros. 3% à 50 milliards d'euros. Mais 14%, vous voyez que c'est la moitié de 28%. 14% pensent que ce téléphone pourrait être vendu à 500 milliards d'euros. Si on le dit, ce n'est pas la valeur du téléphone ni la valeur de la photo, mais plutôt la valeur de toutes les leçons qui sont reliées à cette histoire gigantesque, à cette saga, j'allais dire. Et que voilà, toutes les leçons qu'elle peut véhiculer, toutes les influences positives que ce téléphone pourrait avoir sur la jeunesse, sur le monde entier, sur l'humanité tout entière, parce qu'il faut voir que au moment où on peut utiliser un téléphone pour faire énormément de choses négatives, au même moment et à partir de sa simple chambre, on peut lancer un projet gigantesque. À plus forte raison, le projet Africa Genie Invest, qui suggère d'investir, qui prône l'investissement dans le génie et les talents d'Afrique. Et comme on le dit, l'Afrique est l'avenir du monde, ou l'avenir du monde se trouve en Afrique. Toutes les deux formules sont valables peut-être. Et que si l'avenir du monde se trouve en Afrique, il serait extrêmement important d'investir dans le génie africain, parce que la meilleure manière aujourd'hui de prévenir ou de prévoir l'avenir de l'Afrique, c'est de le réaliser avec le génie africain. Et si on le réalise, c'est parce qu'on a réalisé l'avenir du monde entier. Et aujourd'hui, investir dans le génie africain revient à sauver le monde en quelque sorte, parce que ça permettrait de sauver les ressources du continent. Ça permettrait de sauver les ressources du continent et de sauver le monde, de sauver l'humanité. Nous pensons que ce projet est gigantesque et a une importance extraordinaire au plan mondial, au plan social, au plan culturel, au plan politique, au plan économique, au plan financier, au plan géopolitique. Et voilà pourquoi 144 personnes ont pensé que ce téléphone pourrait être vendu à une somme faramineuse. De quand même 14% des intervenants pensent qu'il pourrait être vendu à 500 milliards d'euros. Et 28% pensent qu'il peut être vendu déjà à 1 million d'euros. Aujourd'hui, on n'a pas encore fait la moyenne depuis que nous étions à 126 intervenants. Mais avec les 126 intervenants, on était à 77,80 millions d'euros. Je crois bien que c'était millions d'euros ou milliards d'euros. Il faut voir millions d'euros. C'était millions d'euros. Maintenant, il faut refaire le calcul pour voir, pour vous dire qu'il est extrêmement utile de créer votre compte sur la plateforme Africa Genie Invest, parce qu'il y a énormément de choses qui sont essentielles aujourd'hui, qui une très grande opportunité en tout cas, qu'il ne faudrait pas du tout rater. Voilà. Là, j'étais en train de, voilà, de vérifier dans le
dans le groupe Telegram. Voilà. Donc là aussi, nous sommes dans un canal de 168 abonnés. Donc vous voyez, on poste le même sondage avec les 144 intervenants, n'est-ce pas? Merci beaucoup à toutes et à tous. C'est un immense plaisir. Nous allons terminer la vidéo par ce tuyau excellent, n'est-ce pas, cette vidéo sur les crypto-monnaies, sur un exposé qui avait lieu à Dubaï. Alors, c'est Thomas Hamadou, DG de New Leader Vision International, NLV Burkina Crypto-Monnaie, depuis le Burkina Faso. Mais aujourd'hui, je suis à Dubaï. Aujourd'hui, c'est le 16 mars 2022, mardi 16 mars. Et nous sommes à Dubaï dans le cadre de Crypto Expo. Crypto Expo 2022, vous voyez. Donc je suis venu avec le DAF, M. Sommet Frédéric, de NLV également. Et nous avons croisé d'autres amis qui sont à Dubaï ici, qui exercent dans le trading, dans le e-commerce et ainsi de suite. Et voilà. Mais les amis, c'est du lourd parce qu'on voit toutes sortes de nationalités. Toutes sortes de nationalités venues de partout dans le monde entier. Tous ceux qui exercent dans le e-commerce, dans la monnaie numérique en particulier, on voit qu'il y a tellement de l'engouement qu'on sent que c'est le domaine d'avenir, tout court. Il n'y a pas beaucoup à dire, mais les quelques véhicules qu'on a vus, qu'on voit, ceux qui sont venus avec quelques véhicules là, vous allez voir que c'est des Ferrari, des Brabus, des Lamborghini. C'est des crypto-traders, hein. c'est des Lamborghini, des Ferrari, un peu partout. Regardez là-bas, il faut zoomer là-dessus. C'est des Lamborghini, des Ferrari seulement, que les gens ont envoyé. Mais les amis, la crypto-monnaie, c'est de l'avenir. La crypto-monnaie, c'est l'Eldorado. J'avais déjà dit ça. La crypto-monnaie, c'est pour l'employabilité des jeunes. Ouvrons l'œil, cherchons à comprendre et à nous aller pour le succès. Je vous remercie. Voilà, j'ai voulu quand même vous faire ce témoignage extraordinaire. Et personnellement, j'ai bénéficié de la formation de ce coach les 11, 12 et 13 juin 2021 à Dakar. Il était venu au Sénégal. Il nous a fait une formation pendant laquelle chacun a payé 500 000 francs CFA par individu, bien sûr, pour 3 jours. Ça a été formidable et aujourd'hui, si vous êtes en train d'hésiter, c'est parce que vous n'avez pas les connaissances qu'il faut dans le domaine de la crypto. Mais si vous aviez toutes ces connaissances, vous n'allez pas du tout hésiter une seule seconde. Merci beaucoup à toutes et à tous. J'espère que vous aurez déjà ouvert votre compte sur Africa Genie Invest parce que nous avons l'Africa Nord qui est en train de se développer aujourd'hui sur le continent. Merci. Peut-être on va terminer en vous montrant une image de l'Africa Nord. Hey, nous ne sommes pas là. Hein? Nous sommes là.